Salut tout le monde, ici Jobro17 et veuillez pardonner un petit peu ma petite voix nasale que j'ai aujourd'hui parce que je sais pas pourquoi, j'ai une narine de boucher. Oh, c'est gossant. Oh, me mouche à rebouche, c'est pas agréable du tout. Je pense qu'on a tous déjà eu ça, un nez bouché là. Fait que, bon, voilà tout le monde qui sort bouche. Allez, ça va être n'importe quoi de vidéo là aujourd'hui, bon. Fait que, on est rendu au jeu qui est au 96e rang des meilleurs jeux sur console Super Nintendo selon IGN. Et le jeu qu'on va jouer aujourd'hui est Spyster. Sorti en 94 par la compagnie Konami. Oui, encore un autre jeu de la compagnie Konami. Et attendez un instant, on va régler quelques affaires. Bon, on va mettre ça facile. Bon, et qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? C'est drôle! On dirait c'est que ça me fait penser un petit peu à Sonic ce jeu-là. Parce qu'il y a la vitesse, faut se fier à ses réflexes, puis tout, ça va vite. Mais je vais vous montrer en y jouant, puis je vais vous parler un peu. Bon, fait qu'on y va. Start. Bon, le jeu, on contrôle un opossum. Oui, c'est un opossum. Ça, j'ai lu la. Dans les descriptions de ce jeu-là sur Internet, qui doit aller sauver une princesse enlevée par des extraterrestres. Bah, ok. L'histoire est très classique encore, oui. Pas trop original comme scénario. C'est un scénario qu'on a vu 1000 fois dans tous les jeux vidéo. Mais on est un petit chevalier de l'espace. Bah oui, c'est ça qu'ils disent. Dans... c'est ça qu'ils disent. Et on doit sauver la princesse et tout. Et. Pourquoi je dis que ça me ressemble un peu à Sonic? D'abord, regardez un peu le graphisme. Je trouve que ça ressemble un petit peu. C'est un peu inspiré du monde à Sonic. Mais juste un petit peu, là. Bon, rien que je voulais dire. Ah oui! Et aussi, notre arme, c'est une épée qu'on peut attaquer. Et quand on attaque, on envoie des petits tournis, on dirait des attaques spéciales, là. Et comme vous pouvez voir, parfois les ennemis arrivent assez rapidement, puis il faut se méfier. Ah, regardez, il venait quand même assez vite. Il faut être vite sa gâchette. Regardez, hop. Et on a une jauge de vie en haut, juste ici. Les petits cœurs, là, en haut à droite. Et hop, on va avoir un petit mini-boss. Les graphismes, bon, franchement, là, c'est beau. C'est digne de la SNES. Or, on va dire, voyons. Honnêtement, là, tabarnak. Voyons. Attendez un instant, on va battre ce boss-là, là. Puis les musiques, hey, wow! Splendid! Les musiques, là, hey! Ils sont magnifiques, puis oh mon dieu, le bel effet spéciaux. Mais sérieusement, là, c'est encore une autre très belle surprise, honnêtement. J'ai jamais joué à ce jeu-là, mais... quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, wow! J'ai vraiment été capoté, c'est... mais aussi, un petit défaut, c'est bien sûr la difficulté. Ça arrive tellement vite, parfois faut que tu saches où est-ce qu'elle est née au début, là. Puis, oh. Puis c'est ça, là. C'est un peu, c'est pour ça que ça, je dis ça fait penser un peu à Sonic. Ça va vite, puis faut aussi utiliser nos réflexes, puis tout. Puis, yeah. Mais notre héros ici, là, le petit opossum. Le petit opossum là. Il y a comme une sorte de... le jet qui va le propulser à l'issue vide. Regardez, si je me tiens le bouton attaque à foncer, vous pouvez voir une jauge en haut à droite, en haut des cœurs qui se remplit. Et si je lâche et j'appuie sur le jet directionnel, hop! Vous voyez? Regardez, et si je vais à droite, à gauche, et hop! Vous avez vu? Voyons, comment je fais pour débrancher ça? Voyons. Ah, ouais, c'est ça. Et quand on est sur place, on se tournoie sur nous-mêmes, on fait une sorte de tornade là, qui détruit tout sur son passage. Alors sérieusement là, une autre belle surprise. Je pense qu'on va découvrir de très belles surprises dans ce quête-là. Et attendez un instant. Hop! Ouais. Et pour que la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que ça fait penser à Sonic. Ça va vite, faut se fier à nos réflexes. Parfois, il faut savoir où est-ce qu'il y a l'ennemi pour l'éviter au prochain coup. Parfois, t'es obligé de mourir. Parfois, faut savoir qu'il y a un ennemi là. C'est un peu damnant, là. Mais en gros, c'est un jeu magnifique. Honnêtement, là, j'ai eu bien du plaisir à tester ce jeu-là, là. J'en avais jamais entendu parler. J'ai pas encore joué aux deux qui sont sur Genesis, je veux dire.
Bon, j'ai dit Mega Drive tantôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Ok, nous, au Québec, on dit Genesis, mais vous, les, mes amis européens, on dit Mega Drive, si je, je m'abuse. Et hop. Voyons, voyez, voyez, ils viennent tellement vite que... Voyons, tabarouette. Donnez-moi le temps de respirer. Ouais. Puis les attaques spéciales, là, sont... Les attaques spéciales, c'est vraiment très agréable. Hop, il y a un ennemi, là. Va le battre. Non, sérieusement, les graphismes, là, sont vraiment magnifiques, là. C'est épatant. C'est digne de la SNES, là. Honnêtement, là. Je pense que c'est un, présentement, c'est un des jeux les plus sous-estimés de la Super Nintendo, là. Difficulté bien dosée, mais... Ouais, bien dosée, je veux dire. C'est pas trop difficile que c'en est impossible, là. Non, non, c'est quand même bien fait, là. Sérieusement, là, je capote, là. J'aurais eu ce jeu-là, là. Un chef-d'œuvre. Puis les effets graphiques, là, pour l'époque, là, c'est vraiment très bien, là. Hop! Le premier niveau est fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Où est-ce que le jeu m'a arrêté? C'est au niveau 3. C'est... Il y a un mur d'eau qui va s'avancer vers toi. Il faut que tu l'évites parce que lui, peut pas... notre ami, l'opossum, peut pas rester longtemps dans l'eau. Fait que... Tu dois utiliser tes attaques spéciales, ton jet pour aller le plus vite possible. Parfois, faut que tu sauves, faut que tu es dans des recoins difficiles à aller. Il faut pas que tu restes jamais. Faut... C'est un peu une course à obstacles. Et c'est vraiment... C'est vraiment très difficile. C'est là que le jeu m'a fait arrêter, là. Ouais. Pense que c'est ça, un des défauts du jeu, c'est... Parfois, faut que tu cherches où est-ce qu'il y a tel ou tel ennemi pour pas mourir la prochaine fois. T'es obligé de crever, parfois. Ça, c'est gossant. Ah, puis cette phase-là, là, la musique, là, est vraiment épique, puis la petite autruche robot, là, honnêtement, là... Honnêtement, là, c'est très bien passé. Ouais, je dirais que... C'est un mélange de Sonic, mais avec certains ennemis de robot de Megaman. Non, non, il n'y a pas d'ennemis Megaman, mais il y a des robots. Puis des ennemis Megaman, d'habitude, c'est des robots. Puis je sais pas, là, mais... En tout cas, si vous avez déjà joué à ce jeu-là, vous avez de très bons souvenirs, faites-moi en part. Si j'ai oublié des choses sur ce jeu-là, vous avez des souvenirs, n'importe quoi, dans les commentaires... Je suis ouvert, venez me parler, ça va me faire plaisir, honnêtement, là. Ah, et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben, j'ai un peu dit un peu ce que je pensais de ce jeu-là, puis, et hop, un méchant. Eh, on avance pas trop, là. Yo, tabarouette. Regardez l'ennemi, il me fait penser un peu à Rob, le robot accessoire de la Nintendo d'ordinaire, là, les yeux surtout, là. C'est Rob avec des bras plus longs, oui, c'est ça. Bon, je suis mort. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je suis en train de travailler sur un petit intro que je vais mettre dans mes vidéos, un petit vidéo d'intro que je vais mettre à mes vidéos. Je sais pas encore, là, je suis en train de travailler, j'ai en train de penser à ça dans mes temps libres, là. Peut-être un petit vidéo de musique épique... la SNES pis tout, pis je le sais pas, là, En tout cas, on verra. Chaque chose en temps, comme on dit, là. Hop! Voyons, je suis mort, là. On va tenter de voir le plus loin possible. On va essayer de franchir le deuxième level, pour vous, là. Tiens, notre ami Rob avec les longs bras encore. C'est peut-être son cousin. Ou bien un frère, je sais pas. Il me fait penser drôlement à lui. Surtout ses yeux, oh my god. Ah, ouais. Oh non, sérieusement, ce jeu-là, c'est un... Oh, attendez un instant, on va repartir le logiciel de capture. Voilà, c'est reparti. J'ai peur, on va pas mourir encore, là. Ok, honnêtement, là. Voyons, on va se battre, attaquer. Ah, c'est ça qui est gassant avec l'autruche. Tu dois diriger un peu... Ouais, la jouabilité. Au début, il faut s'habituer un petit peu, mais on s'habitue assez vite, là. Bon! Va-t'en, c'est ça, va-t'en. Oh. Et hop, ta-ta-ta-ta-ta. Et hop, là. Ouais. Hop, là.
Sur Don Ben. Voyons, eh merde. Je suis mort encore. Regardez, je suis mort, j'attaque encore. Allez, ça c'est bestial. Ouais. Fait que c'est tout que je peux dire sur le jeu là. Honnêtement, essayez-le. Si vous êtes fan de Sonic ou bien vous aimez les jeux à défis, là, essayez ça. Ouais. Je vous le recommande. Encore une fois. Je sais, je suis pas très difficile, mais on est dans le top 100, puis c'est pas tous des jeux navets qu'on va pogner, là, c'est sûr, là. On va peut-être en pogner quelques-uns, peut-être, là. Oh boy. Oh là 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 là. Mais ça, c'est une opinion personnelle, là. Bon. Un autre boss. Bon, c'est une sorte de chenille. Ouais, c'est ça, une chenille qui garoche les bons, je pense. Hein? C'est pas très difficile à battre, si je me souviens bien, là. Je vais le battre, là. Il me reste plus de vie encore, là. Ça serait gossant, là. Ah, on dirait qu'il commence à se déboucher, c'est le fun! Ah, je l'ai eu! Stage clear! Bon, on va être rendu au niveau 3. Peut-être qu'on va pouvoir vous montrer le mur d'eau. Est-ce que je tente? Oui, on va tenter ma shot. Oui, moi essayer ça. Oui. Ah! Encore une fois, la musique de ce niveau-là est excellente. Sérieusement, les musiques de jeu-là, là, c'est wow, splendide. C'est épique, c'est rock'n'roll, c'est vraiment digne d'un vrai jeu d'action à la Sonic, là. Un jeu d'action qui bouge, là, c'est... Faut que tu restes concentré, là, honnêtement, là. Wow. Alright! Oh, ok, le laser, faut que je vérifie ça. On va détruire la sorte de lancer. Hein? On va mettre ça. Peut-être que je vais vous montrer le mur d'eau, le pensage qui m'a fait arrêter le jeu, là. Mais pas on peut y réussir, mais avec beaucoup de pratique. Honnêtement, là. Et hop là! Et hop! Hop, on peut aussi ramasser de l'énergie en mangeant des fruits. Ouais, un peu comme dans Yoshi Story. Hop! Hop! Je pense qu'on va être bon. Ouais. J'espère qu'on va être bon, là, honnêtement, là. Et hop! Voyons! Voyons, ouais, qu'est-ce que je fais, là? Voyons, tabac! Sarp, elle est pas bête! Bon. Bon, j'ai eu. Ouais, c'est un peu dur à maîtriser au début, comme je l'ai dit, là. Surtout le jet, là. Mais avec la pratique, là, on l'apprécie, honnêtement, là. Hop! Hop! Quinte, ouais. Est-ce que j'arrive? J'arrive bientôt, ouais! Non, j'arrive bientôt. Bon. Pour vous montrer, y'a ça, je suis content. Ça va bien ce vieux là, honnêtement là. Eh merde. Ah. Puis les graphismes aussi, là, surtout l'arrière-plan là, c'est magnifique, honnêtement là. Je pense que c'est un des jeux les plus sous-estimés de la SNES. J'ai joué là pendant une heure ou deux là, puis tabarouette, c'est magnifique. C'est vraiment digne de la SNES. On va vous montrer bientôt le passage du mur d'eau, là. Le passage qui m'a fait stopper le jeu, là, qui m'a fait lâcher ma manette en disant, ben voyons, donc c'est impossible à faire, là. On arrive... Oh, oui, c'est là. Regardez bien. On va voir un mur d'eau, là. Regardez. Oh là là là. Oh non, je suis mort! Ah! Voyez, il fallait que je dénie une manchette pour aller... Oh non, il me reste une vie! Yes, sir! Il faut pas niaiser, là.
Ouais. Ah, tabarouette! Bon. Vous voyez un peu? Fait que c'est ça ce jeu. Les continuons dans la nocette. On a un petit système de mots de passe en bas de l'opossum ici. Fait que c'est tout que j'avais à dire sur ce jeu-là. Fait que je vais en faire une autre vidéo bientôt. J'ai beaucoup de temps libre. Fait que je vais en profiter pour. Bon, game over. Hein? Oui, je sais, excuse-moi mon petit pit là, mais. La review est finie! Ouais! Fait que la review est finie. Un bon petit jeu. À essayer, honnêtement, là. Ça vaut la peine. Fait que c'était Jobra17 et on se voit dans une autre vidéo. Fait que je vous dis bye bye et à la prochaine.